comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Alors, quels sont ces appareils esthétiques qui sont dans le collimateur des autorités de santé? Oui, les autorités de santé, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, donc, qui a lancé cette alerte. Et cette alerte concerne plusieurs appareils de médecine esthétique très connus, comme les lasers ou les lampes flash qui servent à faire des épilations définitives. Il y a aussi sur la sellette des appareils qui utilisent le froid, qu'on appelle les appareils de cryolipolyse, qui vont s'attaquer à la cellulite et au bourrelet graisseux. Elle fait quoi, la dame, là? Alors, c'est une épilation, là, ça? Non, oui. Là, c'est... Oui, c'est le laser. C'est le laser, un laser, je pense. Pourquoi? Pour épiler, ça. Ça, oui. Et dedans, il faut se protéger. Laser, ou il y a d'autres appareils aussi de radiofréquence qui permettent justement, sur le visage notamment, mais sur d'autres zones du corps, de raffermir un petit peu les tissus, d'aller dans les couches un petit peu plus profondes, dans le derme, d'aller retendre un petit peu ces tissus. Donc tous ces appareils peuvent provoquer des effets secondaires, mais je dirais pas du tout graves et réversibles. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des effets secondaires qui sont beaucoup plus ennuyeux, beaucoup plus sévères et définitifs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, pour utiliser ces machines afin, finalement, sur le plan esthétique, d'être plus beau, et qui vont se retrouver avec parfois des taches ou des cicatrices définitives. Donc, quels sont ces effets secondaires et surtout, comment les prévenir? Réponse en images. Avec les appareils qui permettent des épilations définitives, que ce soit les lasers ou les lampes flash, à partir du moment où ces lasers et ces lampes entraînent une augmentation de la température, on a pu observer des brûlures superficielles, transitoires, qui vont entraîner des petites pigmentations qui dureront peu de temps, et puis des brûlures qui, elles, sont bien plus profondes et qui peuvent entraîner des cicatrices et puis des troubles pigmentaires, ça veut dire des taches blanches définitives ou au contraire des taches foncées. Avec les lasers, aujourd'hui, on n'observe plus d'effets secondaires sur l'œil car tout le monde sait qu'on doit protéger les yeux avec des lunettes. Par contre, avec des lampes flash, lorsque les traitements sont pratiqués en dehors des cabinets médicaux, il arrive d'observer encore aujourd'hui des troubles de la vision dus au fait que les traitements ont été pratiqués sans lunettes. Si on décide de traiter les bourrelets graisseux par le froid, on utilise des pièces à main qui aspirent le bourrelet graisseux. Donc, on risque de créer un hématome parce qu'on va serrer très fort la quantité de peau qu'on veut voir fondre. La deuxième, c'est on refroidit la peau jusqu'à moins 11, moins 12 degrés selon les appareils. Donc, on risque de provoquer des brûlures par le froid, superficielles ou profondes, et entraîner ensuite des nécroses. Et lors de la troisième partie de la séance, on peut utiliser sur certains appareils des techniques qui massent la zone, qui peuvent abîmer des petits vaisseaux, des capillaires, et entraîner des rougeurs définitives. Pour minimiser les effets secondaires et complications liées à l'utilisation de ces appareils esthétiques, il faut miser sur des diplômes universitaires ou interuniversitaires qui sont délivrés à la suite d'un enseignement qui peut durer une ou deux années. Mais à côté de ces diplômes universitaires, il faut que les fabricants délivrent une formation pratique pour bien manipuler ces appareils. De plus, chaque individu étant unique, il ne réagira pas de la même façon à des traitements esthétiques. Je règle spécifiquement le laser pour votre type de peau. D'accord. C'est donc au médecin, après un interrogatoire et un examen clinique, d'adapter les paramètres de l'appareil utilisé, ce qui permet de minimiser les risques. Ah, elle essaye d'enlever un grain de beauté, là, c'est ça? Non. Des poils. Ah bon? Petite épilation définitive. Donc il faut savoir s'en servir. Donc voilà. Ne vous trompez donc, pas. Nos autorités de santé vous proposent justement que soit mise en place une sorte d'autorisation pour les médecins ou les instituts de beauté qui utilisent ces appareils avec une preuve que la formation a bien été faite. Et puis adressez-vous à un médecin, c'est peut-être mieux, non? Bien sûr, pour évidemment, de toute façon, par exemple, les lasers sont plutôt les médecins qui les utilisent. Hein, ouais. Et puis attention aussi, parce que chaque individu, bien sûr, est différent. Et, oui. hein, et
et peut réagir plus ou moins bien. Et vous ne savez pas comment votre peau va réagir. Comment votre peau va réagir à un appareil. Donc ça, effectivement, c'est tout l'intérêt d'avoir un diagnostic avant réalisé par un médecin. Merci, Brigitte.